Bonjour, aujourd'hui je fais l'ouverture d'un paquet de paquets parce que c'est la nouvelle extension d'Hearthstone. J'ai un petit peu l'habitude de faire ça maintenant, ça fait plusieurs fois que j'ai fait sur le channel. Encore une fois, j'ai aucune idée de ce qui s'en vient. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas regardé de nouvelles cartes, je joue un petit peu moins souvent, il faut dire, mais je réussis à faire mes quêtes là parce que je l'ai sur le téléphone cellulaire, puis souvent j'ai du temps pour réussir à faire ça là-dessus. Je devrais avoir ma légendaire gratis au moment que ça se décide à loader. Pour l'instant, ça load pas vite. Oh. Vient de tomber à l'ère du dragon. L'année du dragon. D'accord. On va voir ce que ça donne maintenant. Il nous invite à jouer et ça se pourrait que... Donc Rise of the Shadow, c'est la nouvelle expansion. Ça, c'est tout juste que ce soit un argent. Ok. Donc, on se ramasse avec quelques petits paquets, 74 pour être précis, et on commence tout de suite. Épique pour le Warrior. On donne une bombe, mais on sait pas ça fait combien. Je pense que c'est 5 de dégâts la bombe. Ok, pour l'instant c'est assez ordinaire. Même très ordinaire. Encore la même carte. Je peux attaquer deux fois. Si tu peux augmenter la durabilité, peut-être quelque chose à faire avec ça. Ok, première légendaire, ça a pris 10 cartes. Pour le priest, je les ai quasiment toutes pour lui. Discover a copy of a card in your opponent's hand. Il n'y aura pas de combo fou à faire avec ça probablement, hein, étant donné que ça va sur le NJ de l'autre bord. Donc, un petit peu dommage comme carte. Ah, ça a pris 8 cartes, 8 paquets. J'ai même pas aucune idée c'est quoi les nouvelles mécaniques de jeu. Honnêtement, j'ai rien lu. J'ai aucune idée des légendaires qui se trouvent. Tout ce que je sais, c'est que celle que j'ai ouverte était bien ordinaire. Deux rares. Choose a million, shuffle one copy into your deck. Ok. Ok, c'est quand même ça doit être bon ça. Ça peut être pas pire. Tetriddle destroy a random enemy minion. Ok, c'est comme la seule qui coûtait 9, je crois, qui était une 4-8 avec Life Leech. Mais qui coûte 5, puis c'est une 2-6, puis qui a pas Life Leech. Je suis pas sûr d'aimer ça.
Faut dire que si l'autre a pu accessible maintenant, là, ça vaut peut-être la peine. Même chose, at the end of your turn, summon a random 6 million cost. Coûte 10, une 6-6, puis une chance 6. Oui, j'imagine qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Rien d'incroyable. Shuffle your hand into your deck. Draw that many cards. Ok, c'est juste de rebrasser. Ça, ça se voit souvent dans d'autres jeux de cartes réels. Destroy all friendly minions for each one. Summon a random minion from your deck. Ok. Ça, ça va être joué. Il y a quelque chose à faire avec ça. Ça sent la légendaire. Faut que ça s'en vienne. Reduce attack of an enemy minion by 1 until your next turn. Ça coûte 0. Ça s'upgrade à chaque tour. Ça va toujours coûter 0, donc ça peut être bon. Ça peut peut-être servir à quelque chose. Les spells coûtent 0 peut rentrer facilement en combat. Donc, oh, Golden en plus, puis c'est un dragon Golden. Beau concept. Ça appartient au paladin. Battlecry, restore both heroes to full health. C'est une 4-12. Ok. Encore une fois, il y a possibilité de faire quelque chose. Si la légendaire qui enlève toute la vie au héros est encore là, ça peut... être très payant d'utiliser. Ça mélange avec une autre légendaire que j'ai déjà. Je vais peut-être avoir le goût d'essayer quelque chose avec ça. Faut que tu développes un deck qui joue lent. En tout cas, c'est à voir. Pour l'instant, j'ai plus le goût d'essayer quelque chose avec le Warlock. Puis la carte qui summon des unités dans ton deck. Ça c'est bon, man. 3-3-2 qui rajoute 4-4 qui doit probablement coûter 3 ou 4 peut-être à jouer. Probablement 4. Mais mélanger avec ça, il y a quelque chose à faire. On peut faire des dragons maintenant avec les paladins. Peut-être s'amuser à faire quelque chose avec ça là-bas. Déjà notre légendaire. Pour tout le monde, ça c'est le fun. Battlecry, draw two minions from your deck. Set their attack, health and cost to, to one. Set their attack, health and cost.
Ouais, il y a des combos intéressants à faire avec ça probablement, là, mais il faut vraiment que ton deck soit construit d'être riddled, quelque chose là, qui va activer quelque chose quand tu vas les jouer. Mélanger exemple avec la 10 tantôt qui coûtait 6-6, qui était une 6-6 qui coûtait 10 pour summoner un 6, exemple. Peut-être quelque chose à faire avec ça, là. Ok, ça c'est payant. Ça, celle-là, je l'aime celle-là. J'ai hâte d'essayer quelque chose avec ça. Ça, j'aime pas ça. Each player board with one one hymns. Tu vois, déjà ça mélangé avec ça peut être drôle. Ça pourrait. Mais il faut trouver de plus des spells qui summonent quelque chose sur le board. Comme ça, quand tu les détruis, t'es sûr que ça revient pas. C'est à travailler. Pour l'instant, assez gâté, je pense, dans les cartes trouvées. Trois légendaires sur une trentaine de paquets pour l'instant. Ok. Je vais s'attendre à avoir quelques packs un petit peu plus tranquille. On devrait trouver un autre légendaire entre 30 puis 20. C'est mon guess. Mettons 25. Summon a minion from each deck they fight. Ok, cool. Ce sera pas pratique avec le glaive de dragon, par contre. Je penserais pas. Oh! Je l'ai pas eu à 25, mais quand même. Taunt, Death Riddle, Gorderman, Resten 5, Hell to Awaken, This Million. Le druide n'a pas énormément de choses qui restaurent. Quelques trucs là, qui restaurent quand même, là, mais. C'est pas le priest. Coûte 8, c'est une 4-8, mais elle a le taunt. Taunt, c'est quand même cool. Puis ça silence. Ça, c'est moins cool. Ok. Donc, il reste 27 paquets. On va espérer deux légendaires dans ça. Je pense que je suis assez chanceux actuellement qu'on peut peut-être espérer ça. C'est bon, on va apprendre de suite pour toutes les classes, toujours le fun. Battlecry, discard 5 cartes, replace your deck with 2 copies of each. Oh wesh. C'est bien n'importe quoi cette carte-là, man. Battlecry, discover 5 cards, replace your deck with 2 copies of each. Honnêtement, tu joues ça. Quand jamais tu te ramasses avec quelqu'un qui veut essayer de te fatiguer, mettons. Tu mets ça dans ta main, puis quand t'es rendu à la fin, puis t'es un peu mal pogné, je pense que tu peux réussir à jouer ça peut être cool.
Ça permet de plus jamais se faire avoir par fatigue. Puis c'est une 8 qui coûte 7-7. Correct. Paquets, faut qu'il en reste au moins une légendaire si je vais avoir guessé comme faux. Pour l'instant, je me suis pas trompé. Trop. Ça peut être cool. Le dragon de Paladin, je pense que je l'ai pigé. 14 fois. C'est l'enfer. Il en reste 4. Juste 2. Les chances se diminuent fortement. Yish. Ok. Hey, là, le légendaire, c'est sûr. Et non, malheureusement. Ok. On va aller monter un deck de paladin avec toute la nouvelle vidange que j'ai ramassée. Tiens, c'était justement un deck similaire, mais là on va le faire un peu différent. Et bien sûr, la super règle que je me donne, c'est que je peux juste prendre des cartes nouvelles. Ok, donc qu'est-ce que je fais avec ça à cette heure? Ok. On va essayer de jouer ça. Cast a random paladin spell. J'aime pas tant ça. Secret. When your opponent casts a spell, give your minion plus 2 de health. Nah. Twin spell. Give a friendly minion. Twin spell, ça veut dire quoi? Il peut. Can be cast twice. Ok. C'est comme écho, mais juste deux fois. Ça, c'est quand même cool là-bas. Là, je veux ça. Et ensuite, le fameux dragon. Ouais, on va jouer le dragon. Ça, c'est sûr. Ça, non. Ça, oui. Il faudrait jouer une autre sorte de carte, mais je vais me respecter avec cette règle. Ok, on va aller voir les grosses vidanges à la fin. Parce que ce que j'aimerais combiner, c'est genre ça pis ça. Ok, la star. J'ai mon endgame deck. Give a friendly merlock. Ça, j'ai pas de merlock, on oublie ça. Restore 2 health to all friendly character. Non. Battlecry, add a lucky to your end. C'est quoi un lucky? Ok. On va l'essayer, on va voir ce que ça donne.
Sur le Murloc, c'est le correct. Spell damage plus 1 plus une 0,6. C'est cool avec des spells qui peuvent booster. Malheureusement, j'en ai pas vraiment. Draw a card. Ça non. If you control a secret, gain plus 1 plus 1. C'est une 2. Ouais, j'ai quelque chose, j'ai besoin de quelque chose au début. Fait qu'on va essayer quelque chose avec ça. Ensuite. C'est une 3, 4 qui ont pas. C'est une 2, 4. J'ai un spell damage. 5, 6. Putain, quand même. Copier Fairly Million Health. Ça aussi, c'est fort. Je veux ça. Stealth, non. Your hero can't be targeted by spell or your land. On s'en fout. At the end of your turn, cast a spell, you have cast this turn. Ça, c'est la légendaire, je pense, qu'ils m'ont donné. At of your turn, cast a spell, you have cast this turn. J'ai quasiment pas de spell, fait que ça sert pas à grand chose. Taunt, battle cry, summon a minion from their deck. Ça c'est dangereux. Shuffle 3 portals from your deck when draw summon a 2-2 demon with rush. Ouais, ça c'est cool. Taunt has plus 2 attack while you have no other minion. Ouais. Si je me rends à la fin, je vais avoir besoin de genre de carte là. Whenever this minion attack, give your opponent a quint. Honnêtement, j'ai pas trop de misère à donner des quints pour une 5-6 coûte 4 là. Je vais y penser. Divine Cry, Battle Cry. Divine Shield, oui, Battle Cry, Restore 3 health. C'est une 3-2 coûte 4. Moins intéressant un peu. Ça peut être intéressant pareil. N plus 1 half with spell in your hand. Divine Shield, 5-4. Ok. If this one has 4 or more attack, resummon it. J'ai rien pour y donner quelque chose. If you're holding a spell that costs 5, je sais pas ça, c'est sûr. Tetrital, summon a 4. 1-1, ce nom. Battlecry, Fridge Power, non. Tant, Vault Safe with Tant. Ça, c'est drôle. Comme je dis, il faut que j'essaie de toffer jusqu'à la fin. Fait que je vais essayer d'utiliser ce genre de cartes-là. Ah, oui, qu'est-ce que ça fait? Ça, random, 3, non. After this. Ça, ça va être cool. J'en ai 3 fois en plus. C'est drôle. Ok, il m'en reste quand même beaucoup. On va y aller avec ça. Avec ça. On va faire ça vite, là. Quelque chose d'autre avec Tant, là. Tiens, il y a ça ici. Pi. Tiens. On va le risquer. On teste les nouvelles cartes, on regarde ce que ça donne. Évidemment, les chances que je perde sont assez élevées. J'ai rien pour contrôler si jamais il y a beaucoup de cartes sur le jeu. On va essayer quand même de le faire. L'objectif est d'être capable de jouer le plus de cartes possible pour essayer de chercher les légendaires, dont celle qui fait donner des cartes de plus. On va voir si ça va fonctionner. Ok. Ça peut être une drôle de combinaison. On va essayer d'être patient.
Qu'est-ce qu'il va jouer? Il joue rien. Je sais que ça te tente pas. Ok. Je pense que le spell s'en vient, évidemment. Ok, on finit par l'avoir. Il n'y a pas des grosses cartes, là. Ça fait un peu peur parce qu'ils ont peut-être tout joué. J'ai pas vraiment le goût de risquer ça. J'aurais même au moins combiné les deux pour qu'on ait au moins une 5-8 qui coûte 3. C'est 3-7 au prochain, je peux le faire. Il n'y a rien qui presse vraiment. Fait que... Ça, c'est cool. Pas mal cool même. Ça va plutôt bien. Les chances sont bonnes, je pense. On a quelqu'un qui s'amuse aussi beaucoup là en ce moment en avant de moi. Là. Ça c'est moins bon un petit peu. Ok, ça c'est cool. Je peux jouer ça. Oh, ça va chercher direct dans le deck. Ok, là, on va tuer ça tout de suite. Ça, j'aime pas mal ça. Boum. C'est ça. Ouf. Le gars, il est pas content. Ça coûte 3. Ah, ok, c'est ça qu'il l'a donné. Là, c'est ça, 5-5. Wesh. Qu'est-ce que c'est ça? Tellement désagréable. Wesh. Ça va beaucoup moins bien soudainement. Hey, 2-8-8, c'est calme. C'est écouté trop en plus. On va essayer de toffer, mais j'ai rien pour délai avec des grosses cartes. Fait que... Et j'essaie juste de toffer, mais pas sûr que je peux faire quelque chose. Ok. Il y a une carte qui a fait le game changer complet. Sinon, j'aurais été capable de toffer un peu plus longtemps. Dommage. C'est certain que c'est dur de monter un deck avec juste des nouvelles cartes, mais j'ai essayé quelque chose. Il y a quelque chose à faire avec ça de mieux, là, mais ça a retravaillé. Donc, sur ce, c'est la nouvelle expansion sur Hearthstone. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, faites juste un like juste en dessous. Bien sûr, partagez-le. Et on se redonne des nouvelles très bientôt.